Merci, merci. Bah, très bien. Merci d'avoir accepté de partager finalement nos conversations habituelles avec vous tous. Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis que vous soyez là. Et en fait, oui, voilà, notre idée, c'est de vous faire partager ce que nous, nous avons la joie de nous dire quand on se rencontre. Nathalie et moi, on se connaît déjà depuis un bon moment. Oui. On a vécu une expérience assez extraordinaire qui est sur la base de l'expérience de Nathalie, son expérience professionnelle, et avec le film Kalachakra. Voilà. Alors toi, Nathalie, je te présente. Nathalie Fuchs, qui est réalisatrice de films spirituels, scénariste, créatrice, j'en passe et des meilleurs. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce que tu fais. Oui, avec grande joie. Et merci infiniment d'organiser ces rencontres, ces échanges. C'est toujours une joie inouïe de parler avec Davina parce que je grandis avec nos échanges. Je reçois toujours avec beaucoup de gratitude nos échanges, nos parcours et la passion qui en dégage toujours de ce que nous avons à nous échanger, à échanger oui, en général. Oui, et je pense que toi comme moi, on sait que les plus belles choses naissent de l'ensemble. Donc je pense que si on était seul à penser, seul à écrire, seul à créer, ben voilà, on serait seul face à nous-mêmes. Tandis que là, quand on rencontre l'autre, même si l'autre nous renvoie notre propre image, justement, on arrive à comprendre plein de choses sur la vie. C'est en ça que je voudrais t'interroger. Mais avant tout, je voulais qu'on revienne sur notre aventure commune de Kalachakra, qui est surtout ta grande aventure de ta vie. C'était ton premier film. C'est mon premier film, effectivement, Kalachakra. J'ai mis 7 ans à le fabriquer, donc oui. C'était quand même oui. Un temps très long. La Kalachakra, c'est l'initiation la plus élevée dans le bouddhisme tibétain. Oui, c'est ça. Il faut peut-être dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous voient, c'est que c'est un des plus hauts enseignements du bouddhisme tibétain, le Kalachakra. Et quand tu as fait ce film, en fait, tu l'as fait pour beaucoup de choses, avec tout ce que c'est, toutes les choses qui se rattachent à ta propre expérience de vie, avec ta sœur, etc. Mais aussi avec la paix que l'on peut retirer d'une expérience spirituelle réelle. Oui. Tu as immergé les gens au travers de ton film dans cette initiation de Kalachakra qui est en fait l'initiation de la vie. Oui, l'initiation aussi de la paix, l'initiation de la compassion. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels je suis intervenue. Alors quand tu dis tu as immergé les gens, je pense que cette expérience a surtout immergé moi-même pour commencer. Oui. Et en découvrant ce monde qui m'était totalement inconnu, étant de confession chrétienne, oui. C'est sûr que j'ai découvert un monde tout à fait inhabituel, passionnant, profond, qui est venu me guérir de ma grande, grande blessure d'avoir perdu ma sœur. Parce que c'est vrai que dans le bouddhisme, on trouve quand même des réponses à l'aspect de la mort, aux réincarnations, et ça a été pour moi. Et puis de l'acceptation de ce qui est. Voilà, je dois vraiment dire que ce film, avec 7 ans de travail, de réécoute de l'initiation de sa sainteté, le Dalai Lama, à force de le travailler, je me suis laissée travailler. Et ce n'est pas pour les autres que ça a été fait, finalement, ça a été fait pour mon intérêt, pour pouvoir le donner aux autres. Le transmettre après le aux transmettre. Autres. Et il faut dire que quand on regarde, moi je suis la première témoin de ça, puisque j'ai vécu cette expérience la première fois que j'ai vu le film, alors que je suis quand même très, 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 comment dirais-je, participante dans tout ce qui peut faire partie du bouddhisme tibétain, et ce depuis des années et des années. Mais quand j'ai vu ce film, quelque chose m'a touchée au plus profond de moi-même. Et c'est ce que ça fait à tout le monde. Donc, ce n'est pas un film qui amène à des notions spéciales ou autres, hors les notions que l'on peut découvrir chez soi, des notions nouvelles, une dimension nouvelle de soi, de sa vie, etc. Oui. Donc, ça, c'est pour ce merveilleux film que l'on peut d'ailleurs toujours se procurer. Si vous avez envie de vous le procurer, on vous donnera les coordonnées à la fin pour pouvoir joindre Nathalie et avoir cette vidéo de ce film, parce que c'est vraiment quelque chose de remarquable. En dehors de ça, maintenant, tu as évolué, évidemment, tu évolues de plus en plus et tu as un nouveau projet dont on ne parle pas quand quelque chose n'est pas encore terminé et achevé. Hein, ça fait partie oui, de nos principes. Oui, c'est important, oui.
Oui, mais ça reste bien entendu un film spirituel, Voilà. voilà, sur un saint qui me parle énormément et où je veux donner une vision moderne de cette sainteté, de cette vie de saint que cette personne a menée. Voilà, donc Voilà, c'est. pour qu'on puisse comprendre et que, en fait, tout cela, tous ces, les films, les livres, tous ces témoins du spirituel, si on peut dire, n'ont vraiment d'intérêt que si chacun d'entre nous pouvons se l'approprier, le mettre dans sa propre vie, je Oui, crois. oui. Et d'ailleurs, à ce titre, je voulais t'interroger parce que c'est très intéressant d'avoir ton point de vue sur comment toi tu vois la foi. La foi, c'est un don, on en parlait quand même souvent. La foi, c'est une grâce que nous recevons parce que la foi, j'ai des amis qui n'ont pas du tout la foi et ils sont malheureux de ne pas l'avoir. Oui, Et tu trouves pas, mais genre. je trouve tout à fait, moi j'ai une foi inconditionnelle et je vis avec cette foi et au travers de toutes les expériences malheureuses ou heureuses de ma vie, mais c'est toujours cette foi qui a réussi à sublimer même les pires difficultés de la vie, Mais quoi. oui, moi c'est Donc pour moi, pareil, la foi, c'est. c'est quelque chose de merveilleux. Oui, c'est ça. C'est le décès de ma sœur lorsque j'avais 8 ans qui, je crois, m'a fait m'interroger de façon très très intense sur le sens de la vie, C'est ça. sur le pourquoi je suis sur terre, pourquoi Dieu vient me prendre, ma sœur chérie, pour Ouais. quelles raisons. Donc forcément, il y a eu beaucoup de luttes, C'est sûr. de non-acceptation, de dire mais pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Néanmoins, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de au-delà de cela, et c'est ce que j'appelle la foi. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'amour, il y avait quelque chose de l'ordre d'une présence. Oui, Et. c'est important que tu dises ça. Parce que souvent, les personnes peuvent imaginer que quand on parle de foi, rien que de prononcer le mot, ça devient tout d'un coup quelque chose qui rentre dans des courants forcément religieux, forcément sectaires, forcément dans une lignée quelconque, absolue Oui. et qui n'a rien d'autre. Non, Mais c'est pas le cas du c'est pas tout. ton cas et c'est Et pas la le grande mien. révélation a été pour moi lorsque j'étais à un de mes premiers voyages en Inde, je devais avoir 28-30 ans, toujours en quête, depuis toujours, en quête de la conscience, en quête de l'éveil, en quête de la compréhension de notre mission sur Terre. J'étais en Inde et j'ai vu ces femmes édentées, d'une grande Ouais. pauvreté, qui riaient aux éclats, qui étaient remplies d'une joie absolue. Et Ouais. là, j'ai vu que ces gens avaient une telle foi, avaient la foi dans la vie, dans la création. C'est ça. Et j'ai senti ma pauvreté, la pauvreté de nous occidentaux, dont je faisais partie à ce moment-là, qui est reliée au matériel, au avoir. Bon, on va pas répéter les discours qu'on Oui, connaît par cœur, tout à mais je crois fait. que la vraie première expérience de cette foi, je l'ai vue dans les yeux de ces femmes extrêmement pauvres, mais qui avaient la joie en eux. C'est quand même incroyable, Oui. hein. J'ai vécu la même expérience que toi en Birmanie, où on est entré dans des maisons, où on a été accueillis, où en tout cas on avait accès à voir un peu comment les gens vivaient, et en se rendant compte qu'avec, n'ayant rien, ils étaient joyeux, ils t'accueillaient, ils te donnaient, ils partageaient avec toi la moindre chose qu'ils avaient en fait. Et puis, dans chaque foyer, il y a ce petit autel qui rappelle le fait d'honorer finalement la foi qu'ils ont. Chacun enfin, est libre au niveau de sa foi. À mon avis, Bien chacun sûr. a son image personnelle et sa croyance personnelle, mais c'est toujours de la foi. Et que cette foi, comme tu disais, en la vie, en l'esprit de la vie, c'est-à-dire le pouvoir peut-être de vie qui est là, cette foi porte les gens à finalement être heureux. Alors que quand on voit que dans nos pays occidentaux, il y a très peu de foi, ben les gens finalement ont beaucoup de facilité, beaucoup de bien, beaucoup d'abondance dans la vie et finalement sont malheureux. Sont malheureux Donc et c'est quand même. grillés. C'est quand même des vraies questions auxquelles il faut Voilà. s'intéresser, je crois. Et comment tu vois le monde actuellement alors, toi? Moi, je suis une grande optimiste Oui. et j'aime imaginer que le monde va de mieux en mieux. Quand je pense qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, au temps des Romains, dans des arènes entières, les gens faisaient comme ça pour tuer un pauvre gladiateur. Et tu crois que ça a changé, ça? Pour moi, oui.
profondément. Oui. Je vois. Il n'y a plus d'arène, même si, même en image, il n'y a plus d'arène avec quelqu'un. Bien entendu, qu'il y a beaucoup d'arènes. Je n'ai pas dit le contraire, bien sûr. Mais pour moi, je sens que les gens veulent la paix. Je pense qu'il y a un gros changement qui se joue actuellement. Oui. Donc, je suis très confiante. Mes enfants fréquentent des écoles à éducation parallèle, Montessori ou d'autres types d'écoles d'enseignement de grand respect ou d'autres établissements. Je trouve qu'ils sont extraordinaires. Je vois les amis de mes enfants qui sont ados ou plus âgés, extraordinaires, avec une grande sagesse. Voilà. Bien sûr que c'est horrible, tout, il y a des choses horribles. Je ne vais pas dire le contraire, mais j'aime nourrir cette beauté-là. Non, mais c'est... Oui, tu as complètement raison, puisque de toute façon, il est quand même bien dit et même prouvé maintenant que le monde est à l'image de ce que nous créons de ce monde, nous, chacun. Individuellement. Donc, individuellement. Oui. Donc, le fait de voir, d'avoir une poésie de l'image du monde que l'on peut... Voilà. Sauf qu'il y a quand même des tas de choses à traverser et que... L'objet de ces conversations entre amis, c'est de pouvoir parler des choses même difficiles avec un regard créatif, un regard positif, comme celui que tu viens de porter sur ce monde nouveau qui vient. C'est ça qui est important, sans pour autant se masquer la réalité qui est là, à laquelle nous devons tous faire face. Oui. Et je te remercie de me ramener à cette réalité de temps en temps en disant « Attention Nathalie, regarde bien ». Tout n'est pas rose. Je ne dis pas que tout est rose. Je sais qu'il y a beaucoup de choses d'une cruauté, d'une dureté, même dans ma propre vie à l'intérieur de moi. Je veux dire, c'est pas parce que je chemine et que j'essaye de voir le beau qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas des espaces encore extrêmement en conflit et douloureux. Donc, il y a la guerre aussi en moi. Mais oui, je pense qu'il y a la guerre en chacun d'entre nous. Tu sais quoi que nous disions. Hein. Quoi que nous disions. Voilà, la mode est à la sélection des uns et des autres. Alors, il y a les sages, les pas sages, les moins sages et ceux qui sont en passe de le devenir. Oui, oui. Mais en fait, je pense que chez nous tous, il y a tout, en fait, qui est là, à l'état latent et que nous réagissons suivant les circonstances de la vie. Mais le plus important est de garder cette vision, une vision belle, comme ce que tu viens de dire. Parce que une vision belle sur les choses, tout est beau à l'origine. Et voilà, au travers de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, eh bien, tout peut s'abîmer aussi. Mais on a à chaque instant le pouvoir de réhabiliter cette beauté de la vie. Et d'autre part, ce qui est beau pour l'un peut être affreux pour l'autre. Hein, les expériences de chacun. Voilà, donc tout est un jeu finalement très mouvant, très éphémère également. Donc c'est vrai que ma vision, c'est que je trouve que les gens recherchent la conscience. Alors peut-être que je suis dans un environnement très privilégié au niveau de la recherche intérieure, au niveau, bon, c'est certain, mais c'est mon environnement et c'est celui que je souhaite me donner et donner à mes enfants et puis, à ma cellule familiale. Oui, et puis... Là, on arrive dans le jugement des choses. Donc, les uns diront, tiens, là, oui, oh, ben, c'est facile, effectivement, quand on est dans un jardin entouré de choses merveilleuses, si on a des oiseaux qui passent avec des magnifiques couleurs et tout, et la beauté est là, effectivement. Mais en fait, la beauté, on peut la voir au travers de tout ce qui est. Hein. Oui. On peut la voir au travers de tout ce qui est. C'est notre regard qui rend beau. Où l'est les choses, c'est la façon dont on regarde les choses finalement. On est complètement maître de cela, c'est notre propre regard. Et donc c'est à nous de l'évoluer, d'affiner, d'aiguiser son regard. Si on a envie d'avoir un regard sur les choses tendres et affectueux et grandissant, là, je pense. Mais c'est un travail difficile. Oui, c'est un chemin, quoi. C'est un chemin de longue haleine. Et le film Kala Chakra m'a beaucoup permis d'évoluer là-dedans. Je vais te raconter une anecdote. Hein. J'étais mécontente d'une affaire familiale qui m'aurait créé beaucoup de colère. Et soudainement, j'ai vu que ça m'ôtait rien, cette situation, et qu'au contraire, quelqu'un d'autre allait pouvoir profiter de quelque chose. Et j'ai senti que Kala Chakra avait fait son œuvre à ce moment-là, de ne pas être dans une forme d'énervement, ce que j'aurais été... par le passé, ce qui a été tout à fait compréhensible d'ailleurs, et de me libérer de ça grâce à voir les choses, de me laisser pétrir par cette initiation, par cette foi en Dieu
qui nous aime. Qui nous aime. Alors quand on dit Dieu, je fais juste cet aparté pour vous qui êtes là et qui partagez cette conversation entre amis. Quand on dit Dieu, Nathalie et moi, on dit l'esprit de la vie. L'esprit de la vie que l'on peut voir chacun suivant ses propres croyances, absolument, ses propres représentations. On peut voir, voilà, peu importe la manière dont on voit Dieu, en fait, Dieu est l'esprit de la vie, le pouvoir de la vie. La création. La création, il est en tout, partout, il n'est pas il, puisque ça ne s'agit pas d'un homme ou de quelque chose comme ça, non, mais c'est cet infini. De tout possible et du tout possible dans le plus beau et dans le meilleur que l'on peut considérer et appeler comme étant Dieu, c'est selon nos partages et en synthèse bien sûr, puisque là ça en fait quand même une synthèse des choses. Oui, oui. Et toi la foi alors, Davina? Ben moi la foi elle est inconditionnelle, pour moi c'est quelque chose de merveilleux, je vis cette foi qui peut être, qui est spirituelle évidemment, mais qui peut être la foi dans l'humain, dans un humain, la foi dans les animaux, dans leur intelligence, dans leur bonté d'être, la foi dans la nature qui est là, qui se renouvelle à chaque instant, et surtout à chaque saison, et qui nous offre ces différences, la foi dans la vie qui nous porte, qui est réparatrice, on se fait mal, ça se répare automatiquement ou on trouve les moyens de le faire. La foi pour moi c'est ce qui nous porte au-delà de notre individualité humaine fragile et facilement abîmable, si on peut dire comme ça. La foi, c'est personnellement, c'est ma raison de vivre. J'ai foi en toi, j'ai foi en ce que nous sommes en train de faire en ce moment parce qu'on loue et on rend grâce à la vie. J'ai foi en vous qui êtes là, qui nous écoutez, qui faites plus que ça puisque vous partagez notre rencontre. J'ai foi en chaque instant. C'est merveilleux. Et quand c'est pas merveilleux concrètement, c'est-à-dire que les choses tournent pas bien, qu'on est contrarié, qu'il y a des histoires d'obstacles. Oui, des obstacles qui nous arrivent, bah, j'ai quand même toujours foi que les choses vont s'arranger et que si elles se présentent comme ça, eh bien, c'est qu'on a quelque chose à apprendre, à comprendre. Oui. Je partage cet avis totalement. Pour moi, c'est un cadeau mal emballé de la vie, j'appelle ça. Les obstacles, les difficultés, c'est toujours pour moi une opportunité. C'est bien emballé parce que c'est une opportunité, ça nous permet de... Enfin, on croit que c'est difficile, mais en fait, c'est un cadeau. Voilà. L'obstacle devient un cadeau et donc c'est une opportunité d'évolution, de compréhension, d'apaisement, de comprendre. Écoute, en tout cas, voilà, Nathalie, écoute, moi je suis ravie qu'on ait partagé ce moment ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tous nos amis qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent? Ayez foi, je dirais surtout ça, ayez foi, ça se cultive, ça se travaille. Vraiment, c'est très important de comprendre que on peut vraiment évoluer à chaque instant, qu'il y a l'espérance jusqu'au dernier souffle. Ma tante, Marie-Françoise Fuchs, c'est une dame de 91 ans, qui c'est une des femmes les plus inspirantes que je connaisse toute sa vie, elle a œuvré. Et là, elle vient d'écrire un livre sur les rencontres tardives. Elle a une vingtaine de témoignages de personnes qui ont rencontré... qui ont fait des rencontres au-delà de 85 ans, et soit des rencontres amicales, soit des rencontres amoureuses, soit des rencontres chez le boucher, je ne sais pas, et qui ont marqué leur vie à 85 ans, 95 ans, 100 ans. Et ça, j'ai fermé ce livre avec une joie inouïe en comprenant absolument que jusqu'au dernier souffle, il y a l'espérance. Et au-delà du dernier souffle, il y a une nouvelle espérance qui renaît, qui tout d'un coup ne nous surprend pas parce qu'une fois que le dernier souffle terrestre est achevé, un autre souffle commence, la vie ne finit jamais. Oui. Donc il y a toujours cet espoir, cette beauté de renouveau, d'autres choses à apprendre, à comprendre, etc. La vie est toujours présente, donc... En fait, ce qu'on veut vous dire avec Nathalie, c'est qu'il y a toujours quelque chose de possible.
Oui. Rien ne s'arrête jamais. Oui. Oui. Rien n'est jamais fini. Il n'y a pas lieu de baisser les bras, il n'y a pas lieu d'être désespéré, il n'y a pas lieu... Oui, sur le moment, ça peut être effectivement, on peut être triste, on peut être découragé, mais que ça ne dure qu'un seul instant seulement. Oui. Parce que, voilà, la vie ne mérite pas que l'on s'appesantisse sur les souffrances. Oui, c'est vrai. Trop longtemps. C'est ce que me disait Thamtok Rinpoche quand je parlais de ma sœur défunte. Il m'a dit, ça te sert à quoi de souffrir? Il faut passer au-delà maintenant. Et c'est ça. Ça a été un vrai coup de... Ça, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là. Ça, c'est important. Je suis sûre que vous pouvez le noter. Parce que... à quoi ça nous sert maintenant de continuer de souffrir? Ça, c'est la bonne question. Oui. C'est le moment de passer au-delà. Oui, ouais. C'est vrai. C'est bien. C'est le mot de la fin. Oui, c'est le mot de la fin. En fait, il n'y a pas de fin. Vous savez, on va se retrouver comme ça régulièrement, si vous êtes d'accord, si ça vous plaît. Et en tout cas, nous, ça nous plaît. Ce sont des moments d'intimité, finalement, ouais. Amicales que nous passons ensemble. Et on avait juste envie de vous faire partager ces instants-là. Merci d'être là. À bientôt. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Merci, Davina. Merci à toi.